Assalamu alaikum à tous les aspirants. Bienvenue à vous pour l'arabe en 10 minutes par jour. Bismillahirrahmanirrahim. On va poursuivre là où on s'était arrêté, à la leçon 3 du livre. J'espère que ça va pour vous et que vous êtes prêts, que vous vous imprégnez bien de la langue arabe. Et allez, c'est parti, on y va. Alors, on s'était arrêté à cet exercice-là. On avait déjà ce qu'on avait dit de plus à la dernière leçon. C'était que bien sûr, on reste toujours dans la phrase nominale, et dans la phrase nominale, il y a deux parties. Le sujet, qui est le premier nom, et l'information, qui va être le nom qui suit. Et vous vous rappelez, on avait dit que le premier nom est toujours défini, donc il y a al devant, et que l'information, lui, sera indéfinie, donc avec le tanwin. Et on avait ajouté que désormais, le sujet, on va l'appeler al-mubtada. Alors que l'information, on va l'appeler al-khabar. Comme écrit ici, le sujet, on va l'appeler désormais mubtada, et l'information, khabar. Le sujet, c'est le premier nom, mubtada, et le khabar, c'est l'information. Alors, on va poursuivre dans l'exercice. Dans l'exercice qu'on avait fait, on avait déjà analysé an-najmu ba'idun. An-najmu, c'est le sujet, donc mubtada. Ba'idun, l'information éloignée. Khabar. Ar-rajulu, l'homme. Mubtada. Waqifun, est debout. C'est le khabar. On voit bien qu'il est indéfini. On avait dit as-sukkaru hulwun, ça veut dire le sucre est doux, est sucré. Donc as-sukkaru, c'est le sujet, comme on dit, mubtada. Et hulwun, c'est l'information, donc khabar. At-talibu, l'étudiant, maridun, malade. At-talibu, c'est le mubtada. Regardez bien, il est défini. Il y a al, alif wa lam. Il finit sans tanwin. Donc c'est bien un nom défini, un isme qui est défini. At-talibu, donc c'est le mubtada. Maridun, il finit avec le tanwin, il est indéfini. Donc maridun, c'est l'information, comme on dit en arabe, le khabar. Addiku, le coq, jamilun, est beau. Donc addiku, c'est le mubtada. Jamilun, le khabar. Vous voyez bien, il est indéfini. Le coq est beau. Ad-daftaru, c'est un nouveau mot de notre vocabulaire. Ad-daftaru, ça veut dire le cahier. Ad-daftaru, jadidun. Jadidun, ça voulait dire nouveau. J'espère que vous répétez bien avec moi lorsque je répète pour la mémorisation pour vous. Ad-daftaru, le cahier, jadidun, nouveau. Donc le cahier est nouveau. Ad-daftaru, c'est le mubtada. Jadidun, c'est le khabar. At-tajiru, ça veut dire le commerçant. Raniyun, ça veut dire riche. Donc, at-tajiru, raniyun. At-tajiru, c'est le mubtada. Et raniyun, le khabar. Il est indéfini. Donc, il donne une information sur le isme qui est at-tajiru. Ad-dukkanu, on avait dit que ça voulait dire le magasin. Maftouhun, ouvert. Donc le magasin est ouvert. Ad-dukkanu, c'est le mubtada. Et maftouhun, c'est le khabar. Donc dans la phrase nominale, on se rappelle, il y a le sujet, le mubtada, et il y a l'information qui est sur le sujet, qui est le khabar. À chaque fois, on cherche le mubtada. Et le khabar, parce que ce sont des phrases nominales, c'est-à-dire des phrases qui commencent à chaque fois par un isme. Tout ça, ce sont que des ismes. Al-waladu, l'enfant. Faqirun. Faqirun, c'est un nouveau mot qui veut dire pauvre. Donc, al-waladu faqirun, ça signifie l'enfant est pauvre. Donc, al-waladu, c'est le mubtada. Faqirun, c'est le khabar. At-tuffahu. La pomme, la vizun. On avait dit que la vizun, ça veut dire délicieux. Donc, at-tuffahu, la pomme, la vizun est délicieuse.
Ici, on analyse, on sait que at-tuffa'u, c'est le mubtada. Lavidun, c'est le khabar. At-tabibu, le médecin. Tawilun. Tawilun, c'est un nouveau mot qui veut dire long. Tawilun, ça signifie long. Donc, at-tabibu, le docteur ou le médecin, est long. At-tabibu, c'est le mubtada. Tawilun, c'est le khabar. Wa, ça veut dire et. Wal-mudarrisu, l'enseignant. Qasirun, c'est l'opposé de tawilun. Qasirun, ça veut dire court. Donc, al-mudarrisu, l'enseignant, qasirun, est court, est petit en taille. Et si on analyse grammaticalement, on va dire que al-mudarrisu, c'est le sujet, c'est-à-dire al-mubtada en arabe. Et qasirun, c'est l'information qui finit avec le tanwin, qui reste indéfini, on se rappelle. Qasirun, donc ça va être le khabar. On poursuit. Alors, ce qu'on va faire, c'est bah, déjà répertorier les nouveaux mots qu'on a appris là. Hulwun, ça signifie sucré, doux. Maridun, ça signifie malade. Addukkanu, ça signifie le magasin. Raniyun, il y a une chadda normalement. Raniyun, ça veut dire riche. Tawilun, ça veut dire long. Faqirun, c'est pauvre, l'inverse de raniyun. Qasirun, ça veut dire court, l'inverse de tawilun. Et attuffahu, c'est la pomme. On va poursuivre. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même. On va poursuivre. On va poursuivre. Iqra waktub ma'adabti awakhir al-kalimat. Donc, il veut qu'on lise puis qu'on écrive, mais en faisant bien attention à la fin du mot. Par exemple, là, on va voir qu'il y a al devant, donc on se rappelle que c'est défini. On ne pourra pas mettre tanwin alors. Donc, on va dire. Al-babou. Et ici, on voit qu'il y a al encore. Donc, on va dire al. Pour l'instant, on va pas faire attention à la shadda. Al-tajirou, le commerçant. Vous vous rappelez de ce mot? Al-tajirou. Là, la al encore, donc, ça va pas finir avec un tanwin. An-najmou. An-najmou, ça veut dire l'étoile. Ici, al-qamaru, vous vous rappelez al-qamaru, la lune. Ici, ad-diku, le coq. Ici, maintenant, répétez avec moi, bien sûr, toujours. Répétez, n'oubliez pas de répéter pour travailler la mémoire auditive, la mémoire visuelle, la mémoire buccale. Il faut que vous entendiez au minimum. Al-ma'u, l'eau. As-sariru, on l'avait vu au début ce mot, le lit. Al-baytu, la maison. Al-masjidu, la mosquée. Al-rajulu, l'homme. As-sukkaru, le sucre. Al-waraqu, la feuille. Donc on va poursuivre. Maintenant, sur cet exercice, il va falloir qu'on trouve le mot manquant. Donc il est dit raniyun, riche. On sait là que ça va être indéfini, raniyun. Donc on sait que c'est l'information, c'est le khabar. Il va falloir qu'on trouve le mubtada, c'est-à-dire le sujet. Qui est raniyun? Qui est riche? Le commerçant. Donc on va dire at-tajiru raniyun. Ici, on voit hulwun, sucré. Qu'est-ce qui est sucré? Le sucre. Donc on va dire as-suk Karu, hulwun. Asukkaru, ça va être le mubtada. Hulwun, ça va être le khabar. Maridun, malade. On a comme khabar malade. Il va falloir qu'on trouve le mubtada, c'est-à-dire le sujet. On pourrait dire bah, l'étudiant. At-talibu, vous voyez bien, je mets al devant. At-talibu, pour dire l'étudiant. Maridun, malade. Avec, je Maridun, je prononce bien le tanwin.
Le khabar, il porte un tanwin. La vidoun, délicieuse. Qu'est-ce que je peux dire? La pomme. Vous vous rappelez comment on dit la pomme? At-tuffahu. La vidoun. La pomme est délicieuse. On va poursuivre. Bien qu'on a dépassé les 10 minutes. On avait dit al-mudarrisu, l'enseignant, tawilun, est long. Alors qu'on avait dit at-tabibu, le docteur, qasirun, est court. Alors on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà plus de 10 minutes. Et on va se dire à la prochaine. Sans oublier, wa laqad yassarna al-Qur'an al-dhikri fahal min mudhakkir. Et on se dit donc, assalamu alaikum pour l'arabe en 10 minutes par jour, ou presque. Allez, révisez bien.